Bienvenue dans Inside, l'émission qui pendant 5 minutes vous propose une immersion intégrale dans un monde de tranquillité et de bien-être. Non, ce n'est pas une thérapie sous hypnose que vous avez sous les yeux, mais la présentation d'un ovni de l'univers du jeu vidéo, Child of Eden. Pour nous, ça a été comme une pause dans l'espace-temps, une véritable expérience cognitive à la fois ludique et poétique, et accessoirement un vrai régal pour les yeux et les oreilles. Child of Eden est la suite spirituelle de Rez, shooter musical sorti sur Dreamcast et PS1 en 2001. La particularité est que les cibles détruites par le joueur produisent des sons mélodiques qui viennent enrichir la bande sonore. C'est une expérience basée sur la synesthésie, phénomène par lequel plusieurs sens sont associés. Alors, pas la peine de vous dire que ce jeu est hyper psychédélique et ravira les plus perchés d'entre nous, et les plus terre-à-terre ne savent pas ce qu'ils ratent. Pour en savoir plus, Gong a rencontré Tommy François, responsable des nouveaux projets d'Ubisoft, et Tetsuya Mizuguchi, le papa du jeu, peu bavard, mais toujours très souriant. C'est parti! Hope, happiness, good luck, and synesthesia. He has the hard job. Organic. Connect. Yeah, connect. And Eden is the future version of the internet 200 years from now, and you need to find who the child of Eden is. Can we tell them? Yeah. Yeah? Maybe Lumi. It really doesn't matter. Everyone has a very, because this is an emotional shooter, what we want to push is for people to find their own creative emotional ways of enjoying the experience. You can enjoy it in the dark, you can enjoy it naked, you can enjoy it with headphones on, you can enjoy it with your girlfriend, with a friend, you can put the wireless pads on you, you can put them on a friend. It's really, it's up to you. Yeah. Any style. any style. So, yeah, please enjoy. Bon appétit. So I think Child of Eden, at least in my opinion, is more a message for that. Don't just sit around and complain. Do something. Feel something. Be with people. You know, express yourself. Support people. All that type of stuff. That's it. Les développeurs ont poussé l'action communautaire plus loin en offrant la possibilité d'intégrer ses propres photosouvenirs au sein du dernier niveau du jeu. Une initiative généreuse, mais voyons si nos photos chez Gong sont assez pures pour être tolérées dans cet ultime niveau. C'est parti pour le test Inside. Clean. Yeah, clean, super califragilistic. No, this needs to be purified. Not clean. No, this is not clean purification. This is not clean at all. Let's put a finger like this on him. Okay, more stupidness. Étonnant, non? Certes, le jeu est un peu perché, mais chez Gong, on adore ça. Maintenant, histoire d'être au taquet pour la semaine, c'est séance de Child of Eden chaque lundi. Entre le psychédélique, les kaléidoscopes de toutes les couleurs, Child of Eden est un antidépresseur vidéoludique. Bon, sur ce, j'ai raté ma séance de lundi, faut que je prenne une double dose. Alors à une prochaine dans Inside.